Que du mot, on a le choix. Chantal Paris, des grandes gueules. On va en acheter un comme ça pour au moins en vendre un. Là. Ouais. Ça va faire un de vendu. C'est une bonne idée, ça. Hein, c'est une bonne idée, Marie, oh, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, t'as pas quelqu'un taillé dans ton entourage? Oui, oui, non, c'est vrai. Pour les gens qui vous connaissent pas, comment vous définiriez votre humour? Oh mon Dieu. Comment il y avait? Niaiseux? Non, mais on a du fun, tu sais. On se casse pas la tête. Je pense pas qu'on fait de l'humour à message. On essaie pas de laisser un message. Vraiment. Ce qu'on voulait, quand les gens vont écouter l'album, on veut qu'il y ait du bon temps. Puis s'ils ont du fun, notre but est atteint. André Ducharme, qui est un collaborateur maintenant des Grandes Gueules, nous a sorti une phrase cette semaine, puis j'étais en plein ça, je pensais. Le rire à tout prix. Taisez-vous, imbécile, clairvoyant, arrante. Levez les ponts et c'est le paquebot. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Ben, il y a une ligne ouverte avec le vrai Gilles Proulx, celui qu'on entend tous les jours à s'écraser. Le vrai de vrai. Il a bien voulu se prêter une ligne ouverte avec nous autres. Nous, on fait les personnages qui l'appellent. Bonsoir, madame. Bonsoir, moi, c'est Anne. Anne, oh, quel beau prénom. Anonyme. Anonyme, allez-y pour les intrus. Premièrement, Monsieur Proulx, je veux vous dire que vous êtes un homme qui sait parler aux femmes. Au début, on voulait faire juste des sketchs inédits, mais les gens nous demandaient des meilleurs moments. Fait que là, on a fait un peu de tout. Il y a des meilleurs moments, il y a des sketchs inédits, puis bon, les chansons. Les chansons, c'est nouveau, ça, parce que vous en faites plus ou moins dans votre émission de radio. Oui, mais c'est la première fois. C'est la première fois. C'est un essai, puis comme tu as pu l'entendre sûrement sur les ondes de CKMF, c'est vraiment mauvais. Ah, voilà, là. Ah, mais tu trouves pas ça un peu rapide, Mario, meilleur vendeur? Après tout, il est disponible depuis ce matin. Non, mais je pense que ça sent bon. Ça sent bon, je pense que le monde est parti pour l'acheter. C'est du gros de 33. Ah, c'est ça qui sent bon. Mais je pense que l'esprit est à la fête. Je pense bon cuisinier, mais il est rien que capable de faire cuire du steak. On souhaite bonne chance aux gars. En passant, on s'excuse, il y a eu un petit problème technique pendant le reportage.